De retour pour cette deuxième partie de Fast Lane. Alors, on a assisté à la victoire de AJ Styles face à Chris Jericho. À la fin, j'allais dire on termine la vidéo avec face à face, mais le temps s'est écoulé de la vidéo, donc bref. C'est pour ça que c'est écrit. Je me rappelle plus ce que j'ai dit et pouf, c'est terminé avec face à face et terminé. De retour, là on est dans le kick-off. Enfin, là c'est de retour au kick-off en live. Bref, les amis, c'est la deuxième partie de Fastlane 2016. Donc, à tout à l'heure. Enfin, je veux dire, à tout de suite. Petite coupure, à tout de suite. Petite image de Kalisto, on était en train de revoir les images, la vidéo du kick-off. Et on revoit dans le kick-off qu'il y a eu un match à trois manches. Et donc les deux premières manches étaient un partout entre Kalisto et Alberto Del Rio pour le titre des États-Unis. À la troisième manche, c'était Kalisto qui a gagné le 2 à 1. Et a conservé sa ceinture, on revoit l'image. Donc, à tout. Les amis de retour, et où c'est la surprise? C'est le moment Christian et Christian. Non, je plaisante avec vous. C'est le moment Christian et Christian, Edge et Edge. Non, je plaisante, c'est le moment Edge et Christian. Les anciens grands partenaires. Donc, désolé, j'ai tapé. Ah, voilà. Ah, ça c'est beau, ça. Le grand moment. Superstar. Edge, un grand Wall of Fame. Ouais, comme le dit Alain, à la grande perfection. Cutting Edge Peep Show, comme c'est écrit là-bas. En gris, Cutting Edge Peep Show. La promotion. La promotion un peu honteuse parce que c'est pour leur propre show. D'accord, on voit. C'est le show d'Edge et Christian. Suspense. Regardez-le, c'est classe. C'est simple, c'est direct, c'est cool, j'aime bien. Et si on peut être sérieux un instant? Ah, voilà, Landstorm l'a mal pris très certainement, c'est la phrase de Landstorm. On va vous dire que ça fait plaisir d'être de retour à la maison. Oh oh! Ça serait vraiment cool qu'ils soient de retour sur le ring en tenue de combat. Le premier tag team ladder match a eu lieu dans ce ring. Dans cette salle. Ah bah non! Ah bah non, oh, comment il a cassé l'ambiance lui! Comme le fait Alvin dans Alvin et les Chipmunks en font la caisse. Oh, comment il a cassé l'ambiance! Le New Day a cassé l'ambiance là! C'est pas vrai! Oui, c'en est un, parce que là on n'est pas à SmackDown, ni Hell in a Cell, ni Raw, mais c'est Fastlane! Alors, c'est un nouveau jour, c'est sûr. New Day Sox! New Day Sox! New Day Sox! New Day Sox! Comme le gris, le public de Fastlane. New Day craint. Eh oui.
Christian. Je suis désolé, mais qui en a quelque chose à faire? Oh, qui tout le public de Fastlane, voilà. Personne. Si, Valence à voir, le public de Fastlane, moi-même. Je fais pas partie du public, mais je suis là, moi. C'est deux dans les mieux et deux dans le New Day. Non. Mauvais choix. C'est pas parce que vous êtes champion qu'il fait ce qu'on veut. Ils se disent pas quand même pas, ouais, on est champion, on fait ce qu'on veut, on est les meilleurs. Ah bah non, le meilleur c'est Triple H, c'est lui le champion de la WWE. Ça dépend. On va voir c'est qui son adversaire à WrestleMania ce soir. Ce soir chez eux peut-être, mais moi il fait jour. Hein. La preuve, fait jour là. Joli soleil dans la fenêtre. Vous pouvez voir derrière le soleil. Hein. Oups. Quand vous êtes arrivé, vous ne parliez que de la positivité. Vous vouliez que les gens applaudissent. Et vous ne receviez que de l'indifférence. C'était brutal. Alors, il y a eu une blague avec le chocolat et la vanille. Chocolat et la vanille, ça fait délicieux. Je suppose que chez vous, vous adorez ça aussi. Vous jouez notre kazoo. Ah non, tu joues du trombone et vous mettez nos lunettes. Ah non, je veux dire des cordes de licorne. Vous remplacez notre mot awesomeness par booty. Et voilà qu'on a des champions par équipe divertissante. Messieurs. W. Hey. World Heavyweight Tag. Bref, j'ai pas suivi là. Et ça veut dire que vous devez nous traiter avec du respect. Non. Oui, d'accord, et mais. Les équipes locales. Même si on sait bien que les Woody James ne gagnera jamais de titre dans cette ville. Ils peuvent. Et comprenez bien une chose. Pas. Si ils peuvent, ils peuvent pas, ils peuvent, ils peuvent pas. On n'a pas une copie de vous. Non. On est meilleur que vous. D'ailleurs. Ils sont meilleurs peut-être parce qu'ils sont trois. Mais Edge et Christian, personne n'y bat. Hein. Pourquoi pas un match entre deux contre trois ou deux contre deux? Vengeance. Et pourquoi pas la ligue des boutiques? Ça c'est intéressant. Moi j'ai croisé Sheamus. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Bon, ces trois clowns peuvent embrasser mon fessier tout blanc. Ha ha. Et on a croisé Rousseff. Et en bulgare, il disait Akapoui. D'accord, j'ai pas compris moi. Et on sait tous qu'en bulgare ça veut dire New Day Socks. Day Socks. New Day Crin. New Day Crin. Eh oui. On sait ce que vous essayez de faire. Très malin. Vous essayez de planter graines, mais. Mais nous on a déjà cuit le repas. Alors là, se moquer. Hein. La Ligue des Nations, c'est des poubelles, c'est des ordures. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, les gars. Je commence à vous aimer. D'accord. Alors, comment ça, les amis? Ouais, d'accord. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie. On se retrouve bientôt pour la troisième partie. Donc, à tout de suite.